Est-ce que vous avez bien mangé? Oui. Ceux qui ne sont pas contents, levez la main. Oui. C'est formidable. L'année prochaine, on recommencera pas. Allez, la parole est au chef. Oui, si c'est pas la majorité. Donc cette année, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y avait 6 nouveaux. Non. Aujourd'hui, il y en a 4 qui sont présents. Bon, les deux autres, il y en a eu le qu'on a jamais vu. Non, trois fois. Jean-Paul n'était pas là. Donc, ils ont été nommés stagiaires première année. Jacques Servel. Monsieur Servel, vous pouvez vous déplacer s'il vous plaît. Ouais. Alors, t'as mis la chemise. Je crois que tu devrais rester à côté de Daniel parce que tu vas être opéré. Certifie que Monsieur Servel Jacques a honorablement réussi les épreuves théoriques et pratiques. Pas toutes. Super théorique et pratique. De l'examen de fin d'études de l'association Gramey Caminaire, le jury lui accorde le titre de stagiaire randonneur première année. Par contre, il a été créé un groupe spécifique. Le groupe s'appelle les Passades Avant. Après, il y a d'autres qui disent oui, les Passades Avant, parce que ce monsieur, avec ça, tu vas y passer aussi. Moi, je vais que passer avec moi. Les Passades Avant, c'est-à-dire que, en gros, si on part à 18, il y a un groupe de 15 là, assez homogène, et après il y en a 3 devant. Voilà. Il y a Jean-Paul. Lisa et Jean-Paul. Et Jean-Paul. Alors des fois, ils ne savent pas trop où ils sont. Alors, avec mes bras droits et bras gauche, on voulait faire une randonnée. Il y a le bras du milieu, mais. Une randonnée où il n'y a rien de marqué. Comme c'est tout le temps devant, le but c'était de les perdre. Et après, alors vous n'avez rien perdu pour attendre l'an prochain si vous êtes là, on passera au petit fichier. Donc ça, vous le mettrez sur votre sac et vous avez le diplôme, mettre à la salle à manger, mais d'un côté, vous pouvez voir si c'est. Merci monsieur le président. C'est pareil. Et donc le même pour un des arts, c'est le même que pour. Groupe Passade Avant. D'accord. Voilà, merci. Tu veux la bise? Ah oui, oui. Voilà. Bravo. Alors après, le même diplôme aussi, mais là vous ne faites pas partie du même groupe. Hein, ouais. Parce que là, c'est quand même, ils sont pas quand même un peu particuliers, parce que c'est la première randonnée qu'on les a vus quand on est parti du Fela. Pour aller à la Couvertoirade, on les a vus à midi, mais ils avaient nous, la vue de la chance. À la Couvertoirade, et après, pop, plus personne. Parce qu'on est arrivé au Kélar, ça faisait 18 km de mille. On les a vus demi-heure à manger, ce qui nous a aidé à mettre en banque. Et après, on les a plus revus. C'est la notion de groupe qu'ils n'ont pas intégré. Encore une petite dizaine d'années, on y arrivera. Alors, Jean-François et Annie, vous êtes. Mais vous êtes en dehors de leur groupe. Hein. Vous êtes dans le moule. Ouais. Vous n'êtes pas parti du même. Jean-François. On applaudit quand même. Et alors, bravo. Bravo. Première année. Oh, c'est trop, on passe ça devant. Ah, ouais. Alors, après, je vais appeler Noël. Là. Ouh. Noël, ah bon, qu'est-ce que t'as fait? Non, non. Non, non. Qu'est-ce qu'elle a fait, Noël? Ah, bon, non, Noël, elle n'a rien fait. Noël, hein, voilà. Non, c'est léger. C'est deux sacs. Non, elle va regarder. Ah. Laissez-la regarder, ouais. Laissez-la deviner. Elle est derrière, c'est tout le canard. D'accord. Oh, allez, on peut copier les mèches. Allez, votre nom.
pour quand il pleut. Et quand il faut pas salir la voiture. Non. Non, 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 Marie-Hélène, c'est Marie-Hélène. Dans le jardin, quand il pleut, c'est bien ça. Faut que tu les laisses dans la voiture. En principe, on met ça quand on va faire du ski en raquette. Ah oui, de la peinture. Ah, trop bien. Voilà. Donc ça, c'est si vous voulez monter dans la voiture du chef, il faut des chaussons. C'est belle, hein. Ah, c'est trop bien. Ça te va bien. Merci beaucoup. Fermel, deuxième tentative. Voilà. Voilà, tu ne seras pas obligé de m'embrasser, c'est bon. Alors, comme tu as eu un gros souci avec un imperfluit à Notre-Dame de Londres, le groupe a téléphoné à Sorel et le Montpellier Métropole, sauf un MPR depuis. Tu peux l'essayer, voir si la taille va bien. En plus, c'est le jour où ils annoncent l'orage à 4h. Il y a son impair japonais. Ouais. Des roses, il n'y en a pas. Ah bon, il est long, hein. Ouais, ça fait le jet plus. Qu'est-ce qu'il est long, son impair. C'est pas assez long. Il est plus long que ça normalement. Il est plus long. C'est pas plus long. C'est la taille en fonte, hein, non? Non, mais il va mourir. Non, une chose. Et après, on rentrera. Ah, mais c'est doublé. Bravo, Michou. En tout cas, ça protège. À qui on a décerné le prix orange et à qui le prix? Ah oui, quand on vous a vu à orange. Alors le prix orange a été décerné à monsieur et madame Coulet. Bravo. Ah, ouais. Ça c'est politique. Non, on n'a pas trouvé, il n'y a pas eu de nominé. Donc, on va rappeler Noël. Oh. Ah, non, 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 toujours des grands. Oh là là là. Elle a que des choses. Pistonnet. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Ouais, je crois que c'était ça tout à l'heure. Tu tourne-toi, Non, tourne-toi. Moi, j'ai un cerisier derrière la maison. Et mon cerisier, il est beau, il fait plein de cerises.
Donc un vendredi, je leur dis à certains d'entre eux, venez chercher des cerises, j'en ai plein l'arbre. Il faut manger ces cerises. Donc avant d'aller derrière la maison, rentrer de rando un vendredi, je leur dis, attendez, je vais vous donner un sac en plastique à chacun. Donc, je leur donne. Quand on a tourné derrière la maison, il n'y avait plus une. Elle était le matin, le beau cadeau. Elle y était le matin, photo la pluie. Elle y était le matin. Alors, les oiseaux, les voisins. Les oiseaux, non, les oiseaux, ils n'ont pas cueilli. Les oiseaux, c'est pas ça. Il y a quelqu'un qui est venu te les prendre. Les oiseaux, c'est pas pour le matin.
Après, c'est Annie et Jean-François. Ouais. Hein? Annie et Jean-François, parce qu'ils sont les nouveaux venus aussi. Bienvenue. Ouais. Alors, je m'accélère au bouteille, j'ai allez. Et enfin, dans les nouveaux venus, elle n'est pas là. Lisa. Lisa. Le petit chien, c'était simplement pour marquer la venue de Toby dans la voiture de Daniel. Celui-là, il est plus petit. Mais contrairement à tout ce que vous pouvez penser, on ne peut pas faire n'importe quoi dans ce pays, qui est notre belle France. Transporter n'importe où, n'importe quoi, n'importe comment, ça ne se fait pas. Non. Il y a une réglementation des transports. Bien sûr. Oui. Il faut la respecter, monsieur. Bien sûr. À partir de demain matin, oui. Monsieur Espace, il aura ça sur l'arrière de son véhicule. Regardez. Passeport d'animaux bilingues. Et ouais. Donc je crois que je dois de transmettre ce trophée au randonneur. Alors ce que j'aimerais, c'est vous faire deviner la personne que tu as choisi. Alors le premier ou la première qui les indices, pensera hein. avoir deviné, il fera ça comme ça. Mais un indice, c'est des indices. Alors ce que j'ai rigolé, c'est que l'an dernier, quand j'ai eu le cerf d'honneur, ça m'a fait penser, bon, vous le savez peut-être pas, mais j'ai été instituteur pendant 40 ans. C'est oh, 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 ça m'a fait penser que pendant 15 ans, j'ai eu les grands, les CM, machin. Et puis un beau jour, il m'a fallu avoir les tout petits, les cours préparatoires. Et j'étais désemparé. Alors un collègue qui était un peu bon, comme certaines de la rando, un peu à l'humeur, il m'a dit, écoute, si tu ne sais pas toi, dès que tu arrives dans la classe, tu leur fais le grand cercle. Alors tu leur dis, dans sa maison, un grand cercle, ouvre-moi. Où le chasseur me dira, la belle. Vous allez me dire pourquoi ça. C'est parce que la personne à qui je vais donner ce grand honneur, ce qui la caractérise, c'est sa générosité. Écoutez bien. Sa générosité. Pourquoi elle est généreuse? Le petit mot, vous voyez, qui est pas loin, il est un peu pas loin du cercle, MSC. Voilà, Marie. Peut-être certains d'entre vous sont au courant, mais tout le monde ne le sait pas. La municipalité de Gravel organise depuis des lustres un concours de moules exceptionnel. Oh, pire du Grand Prix de la Marseillaise. Oh, pire du Grand Prix de la Marseillaise. Ah bon? Et ce concours de moules est organisé bien entendu par la mairie, ouais, avec un prix exceptionnel. Oui. Ah. Et un d'entre nous, oui, fut le vainqueur de ce concours de moules. Ouais. Ah.
au toit. Ah ouais, là, viens. C'est une grande mission de ce concours. Et je te félicite. Bravo. Tu peux pas espérer faire mieux. Et du coup j'arrête, ça y est, j'ai vendu les boules et tout.